Salut à tous, j'espère que vous portez bien. Ouais, ça va, bienvenue sur Batman Fitness de la vérité, de chez de la vérité. Donc, aujourd'hui, ma prise de masse sec, sec chez sec. Sec est resté tracé, donc il faut avoir la morphologie. Si vous êtes mince, vous allez prendre du muscle sec et tracé. Pour d'autres, ça va mettre un peu plus de temps. Vous avez plusieurs étapes à faire, à respecter pour votre prise de masse sec. Donc, règle numéro 1, combiner l'exercice de base, exercice d'isolation. Donc, après, pour certains exercices, vous pouvez faire des exercices squat, développé couché, développé nuque ou soulevé de terre, cure la barre, qui permet de stimuler dans l'avantage de la prise de masse muscle sec. Donc après, vous avez la règle numéro 2. L'intensité de l'intensité et encore de l'intensité. Donc vous allez quand même provoquer la croissance musculaire au niveau de votre résultat muscle et sec et à appeler. Donc après, c'est à vous de jouer le jeu pour progresser votre prise de masse sec. Règle numéro 3. Entraînez-vous fréquemment mais sans brûler les étapes. D'apprendre les techniques et de progresser. En brûlant les étapes, encore ne sera pas capable d'entraîner l'exercice imposé et ne pourra pas encaisser l'intensité de technique. L'exécution manquera certainement de puissance pour pouvoir exploser chaque répétition, chaque série. Donc après chaque rep, chaque série, puis après essayez de porter quand même du lourd et du lourd et du lourd pour progresser, pour avancer dans votre prise de masse sec. On voit sur internet, sur YouTube, prendre en 30 jours une prise de masse, c'est vraiment n'importe quoi, il faut pas y croire. Ça va mettre entre 6 à 2 ans pour de la prise de masse sec. Chaque profil a une solution. Ce programme musculaire est pris en muscles secs. Ont été segmentés par le niveau pour mieux répondre à l'évolution de votre objectif, à votre volume d'entraînement. Après, si vous débutez de 0 à 6 mois à pratiquer l'exercice débutant, si vous avez entre 6 et 1 an pratiqué au niveau avancé, après, si une fois vous avez atteint le voire d'expérience de musculation, vous pouvez reporter le programme prise de masse sec, ça veut dire au niveau avancé. Après, si vous êtes expérimenté avec plus de 2 ans de musculation derrière vous, vous pouvez passer dans les catégories musculation prise de muscle sec niveau expert. Vous avez quand même plusieurs solutions pour les débutants, pour au niveau avancé, pour les experts, pour les gens qui ont déjà l'habitude de y aller dans les salles de sport ou faire du sport vraiment costaud. C'est pas du jour au lendemain qu'on va prendre de la prise de masse sec, non. Moi je parle que du sec, c'est vraiment sec chez sec. Sec chez sec. Je vais vous mettre 2-3 photos de mon dos, de mon profil, de la prise de masse sec. C'est carrément, j'en ai chié pour avoir ce corps-là et je ne veux pas le perdre, mon traçage. Donc, je me plais comme Batman Fitness de la vérité. Après, vous avez rotation de l'entraînement, cardio, musculation, prise du muscle pour sec débutant. Après, type d'exercice 30% d'isolation, de base 70%. Après, durée de l'entraînement, c'est vraiment 1 heure. C'est vraiment 1 heure. Après, vous avez charge 50% lourd et 50% modéré. Et n'oubliez, respectez toujours les temps de repos pour votre prise de masse sec. Donc, après, pectoraux, biceps, abdos, développé couché, 4 séries
de 12, ceux qui veulent prendre des prises de masse sec, 1 minute de repos. Développé incliné, 4 séries de 12, 1 minute de repos. Budgie Fee, 4 séries de 12, 1 minute. Après cuir barre EZ, 12 séries de 1 minute. Larry Scott, 4 séries de 12, 1 minute. Et Crunch, 4 séries au max, 30 secondes de repos. Gainage plancher, 4 à l'échec, 30 secondes de repos. Cuisse, épaule. Bon, c'est un exemple que je vous dis. Après, les cuisses à la presse, 5 séries de 12, 1 minute de repos. Leg extension, 3 séries de 12, 1 minute. Leg cure, 3 séries de 12, 1 minute. Développé machine, 3 séries de 12, 1 minute. Élévation latérale, 3 séries de 12, 1 minute. Oiseau, 3 séries de 12. Repos, troisième jour, repos. Dos, triceps, abdos. Donc, tirage vertical, 4 séries de 12. Tirage nuque, 4 séries de 12, 1 minute de repos. Chaque 1 minute, rowing assis, 3 séries de 12. Extension de barre, poulie haute, 5 séries de 12. Extension corde de poulie bas, 4 séries de 12. Chaise romaine, 4 séries au max, 30 secondes. Gainage plancher. Cardio intensifié modéré. Pratique entre 40 et 50 minutes de cardio en intensité modérée, 65% de fléchier fréquenté cardio maximum. Repos 7e jour. Après, type d'exercice. Programme de musculation, prise de muscles secs. Voilà, c'est un programme de musculation, rotation de l'entraînement, 25% de cardio et 75% de musculation. Type d'exercice, 30%, de base, 70%. Charge lourde à 60% et modérée à 40%. Après, vous avez plusieurs, après, vous avez plusieurs programmes de prise de muscles avancés. Pectoraux, biceps. Après, c'est vraiment avec les répètes là. Vous pouvez faire 4 reps de 12 avec quand même un porte-charge lourd. Donc, fréquence de cardio, évitez si vous voulez prendre de la masse musculaire, évitez le cardio. Donc, cuisse, après, muscle sec confirmé. Rotation d'entraînement, 100% musculation. Type d'exercice, 40% d'isolation, 60% de base, charge lourde. 40% et 20%. Après, vous avez des reps. Après, vous pouvez faire quand même pas mal d'exercices en dégressif. Ça veut dire que vous prenez un exemple 60 kilos, vous descendez à 50, 50, 40, 30, 40, 20 à 10, après barre vide. Donc, après, vous avez tout type d'exercice. Après, vous avez tout type d'exercice. Après, c'est toi et ta chance pour évoluer votre masse musculaire. Il n'y a que vous qui peuvent réussir votre prise de masse et surtout les compléments alimentaires et les repas respectés et le sommeil. Après, vous allez voir quelques mois le résultat. Vous allez voir sur un maillot moulant. Là, puis là, celui-là, il me va presque plus. Regarde au niveau des bras. Au niveau des bras, là. Donc, je vous invite à partager, à liker. Et je vous dis à très très bientôt. I want a two biceps. Bye bye.